Coucou, donc là c'est juste une petite introduction à la vidéo qui va suivre juste après cette introduction en fait. J'ai tourné la vidéo que vous allez voir juste après il y a 10 jours tout juste et nous étions à peu près 1600, un petit peu plus de 1600 sur ma chaîne YouTube et ce matin en me réveillant j'ai remarqué que nous étions à présent 2007 donc ça veut dire que le nombre d'abonnés a énormément monté. En 10 jours en fait, donc déjà je voulais vous remercier, j'en suis ravie. Et la vidéo qui va suivre, bon vous l'avez vu dans le titre, hein, il n'y a pas de suspense, c'est sur mon tour de France, voilà, pour mes vacances et entre autres pour vous rencontrer dans certaines villes si vous êtes là, je vous explique tout ça juste dans la vidéo après. Mais du coup, voilà, j'avais pas forcément prévu de la publier pour les 2000 abonnés, parce que je pensais pas qu'en 10 jours... Voilà, je pensais pas qu'en 10 jours j'arriverais à dépasser les 2000 abonnés. Donc voilà, mais je voulais juste dire que j'avais bien prévu de publier cette vidéo mercredi. Bon, là, à l'heure où je tourne, on n'est pas mercredi, on est lundi matin. Je vais bientôt commencer de travailler, donc je me dépêche. On est lundi matin et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, du coup, voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil. J'avais prévu de publier cette vidéo mercredi. On sera le 21. Et du coup, voilà, comme cette vidéo est un petit peu spéciale pour moi en tous les cas, bah, je trouvais sympa de faire, voilà, de vous faire le petit clin d'œil et de vous dire, bah, du coup, c'était pas fait exprès, mais ça vient pour les 2000 abonnés. Donc voilà, j'en suis ravie. Et puis bah, je vais pas m'étaler plus que ça, puisque de toute façon vous avez la vidéo qui suit juste derrière, donc je vous laisse tout de suite avec cette vidéo. Hey! Je suis vraiment trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo voilà, que j'étais impatiente de pouvoir faire. Donc c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo que je vous avais postée au mois de septembre, je vous remettrai ici, et dans la barre d'infos qui s'intitulait Et si on se rencontrait? Donc je vous parlais de mon projet. De faire le Tour de France pendant mes prochaines vacances d'été au mois d'août et par la même occasion de pourquoi pas se rencontrer dans certaines villes s'il y a des villes où je passe et que vous serez là à ce moment-là. Donc du coup, je vous disais que ce projet se concrétiserait si j'en avais les moyens financiers et bah, si tout va bien, je vais les avoir. Donc du coup, voilà, c'était pour vous informer déjà que ce projet se ferait réellement. Je vais essayer d'être brève dans la vidéo parce qu'en fait, j'ai fait un article sur mon blog, voilà, où vous avez déjà toutes les dates et les villes par lesquelles je vais passer. Donc en fait, c'était juste une vidéo pour vous informer que ce projet se fera et que voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de l'article où vous aurez toutes les informations complémentaires. Voilà, j'ai voulu quand même faire une vidéo en plus de l'article, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas systématiquement sur mon blog, en fait, qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, mais qui ne vont pas systématiquement voir mon blog, qui n'ont pas le réflexe d'aller voir mon blog. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut quand même que je vous informe sur YouTube. Donc voilà, donc pour ce qui est du périple, voilà, l'itinéraire a changé des dizaines et des dizaines de fois avant que je me bloque voilà, un itinéraire fixe. Ça a été assez compliqué voilà, parce que donc, je vais faire ce périple en train étant donné que je n'ai pas le permis. Et ce qui a été assez compliqué, c'est de trouver des villes avec des hôtels pas très loin des gares, mais qui soient quand même intéressants, etc., etc. Donc voilà, je vous dis, l'itinéraire a changé des dizaines et des dizaines de fois. Au départ, je pensais commencer par le sud et remonter comme ça la France. Et finalement, je fais l'inverse, hein. La première ville que je fais, c'est Colmar. Et après, je tourne comme ça. Et la dernière ville, c'est Marseille. Voilà. Enfin, la première ville, c'est Lyon. Je pars de Lyon. Voilà. Mais voilà, bref. Donc voilà, donc je suis super, super, super contente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un article dans mon blog. Alors ça, je vous le dis en vidéo parce que je l'ai expliqué dans l'article à l'écrit et je savais pas comment le tourner à l'écrit, donc je trouve que c'est un peu fouillis. Donc en fait, dans l'article du blog, vous avez donc toutes les dates ainsi que les lieux où je vais être chaque jour. Ça commence le 5 août. Donc le 5 août, je serai là, le 6 août, je serai là, le 7 août, je serai là, etc. Donc vous avez toutes les dates et les lieux. Et en fait, vous pouvez cliquer dessus, je vais mettre des liens, et vous pouvez cliquer dessus sur chaque date, et ça va vous amener à des événements, entre guillemets,
que j'ai créée sur Facebook. Donc par exemple, le 5 août, je serai à Lyon, puisque je vais partir de Lyon. Donc si vous habitez à Lyon et que le 5 août, vous êtes à Lyon et que vous voulez me rencontrer, et ben, vous cliquez sur 5 août et vous vous abonnez à l'événement. Ça ne vous oblige en rien si finalement vous n'avez pas envie de me rencontrer ou si vous avez un empêchement. Ça ne vous oblige en rien à me rencontrer le 5 août à Lyon si finalement vous n'avez pas envie ou voilà, c'est pas parce que vous êtes inscrit que je vais venir vous chercher par la peau des fesses en vous disant eh oh toi, tu t'es inscrite pour me rencontrer à Lyon, tu viens absolument. Non, non, non. C'est juste pour me rendre compte déjà, parce qu'il y a peut-être des villes où il n'y aura personne, donc du coup je vais faire ouais, ma petite vie, mon propre programme. Mais voilà, donc juste pour me rendre compte dans quelle ville en fait il y aurait des personnes que je pourrais peut-être rencontrer. Voilà, donc je voulais aussi faire cette vidéo parce que quand j'ai fait ma vidéo en septembre, je crois qu'on était dans les 1500 là. Non, enfin je sais plus, mais bon, oui, on est au moins 1000 abonnés de plus depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Donc il y a peut-être des gens qui n'étaient pas au courant et finalement, voilà, t'étais peut-être pas abonné à ma chaîne en septembre, mais t'es abonné et t'aurais peut-être envie de me rencontrer, donc voilà. Donc du coup, voilà, donc je mets, comme je dis, l'article en barre d'infos. Et voilà, donc du coup, donc moi, Lyon, c'est une ville que je connais très bien parce que j'y ai habité pendant 30 ans. Voilà, mais après, les autres villes, voilà, par exemple, la prochaine, Plume, je filme. Oui, voilà, tu dis bonjour, voilà, tu vas pas te frotter à la caméra, ça sert à rien. Oui, ma petite plume. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, plume. Et voilà, donc je disais que Lyon, donc moi je connais très bien, donc je sais les endroits qui peuvent être intéressants. Voilà, si je sais pas si on décide. Par contre, je sais pas encore les horaires où je serai et tout. Il y a certains jours où si vous voulez qu'on se rencontre, on sera peut-être plutôt. Le midi ou plutôt dans l'après-midi, on pourrait aller se promener dans un parc, aller visiter un musée. Je sais pas, par exemple, Colmar, moi, c'est une ville. Voilà, que ça fait des années que je rêve d'y aller. Bon, surtout au mois de décembre pour les marchés de Noël, ce qui sera peut-être l'occasion un jour d'y retourner en décembre. Mais voilà, moi, Colmar, c'est une ville que j'ai seulement vue en photo, qui a l'air très belle, mais que je ne connais pas du tout. Donc, si toi, t'es de Colmar, et tu peux t'inscrire à l'événement, même si à cette date tu ne seras pas à Colmar ou si tu n'as pas envie de me rencontrer à Colmar, et me dire, bah voilà, à Colmar, il existe tel parc où il est agréable de se promener, tel restaurant, tel musée qu'il faut absolument aller visiter, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé des événements afin de pouvoir échanger avec vous, avec des gens qui aident des villes dans lesquelles je vais passer, et pour organiser une rencontre si vous le souhaitez, mais si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas me rencontrer, vous pouvez toujours me dire, bah, écoute, je connais très bien cette ville, je te conseille d'aller ici, de faire ça, etc. En sachant que à part Bordeaux où je vais rester 48 heures, sinon les autres villes c'est 24 heures, donc il n'y aura pas beaucoup de temps, mais voilà. Voilà. Donc du coup, si dans certaines villes j'ai l'opportunité de rencontrer certains et certaines d'entre vous, bah, j'en serai plus que ravi. Donc voilà, c'était pour informer sur YouTube que ce projet donc sera concrétisé. On ne peut jamais être sûr à 100% avant le jour J. Enfin, je sais pas si je me casse une jambe, si voilà, hein, je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Mais voilà, en tout cas, les hôtels sont réservés, les trains pas encore parce que c'est trop tôt. Mais les hôtels sont réservés et puis voilà. Maintenant, j'ai hâte d'arriver au jour J. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue que ça, hein. C'était juste, je voulais vous en informer ici, parce que comme je vous disais, je sais que certaines personnes ne vont pas forcément voir mon blog. Donc voilà, c'était tout. Voilà, pour une fois, j'ai fait une vidéo pas trop longue. Et puis voilà, si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires, etc., n'hésitez pas à me contacter voilà, en message privé sur ma page Facebook, dont vous avez le lien toujours en barre d'infos. Ou en commentaire sur mon blog, ou même ici. Moi, j'espère vous rencontrer très prochainement. Je vous fais de très gros bisous. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Pardon. 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 Pardon.